Bon, on va commencer, parce que déjà la salle est bien remplie. Donc merci à tous d'être venus à l'espace Mendès France pour assister à notre conférence sur l'intelligence artificielle et la psychiatrie. Donc cette conférence est organisée dans le cadre de la Semaine du cerveau. Donc c'est un événement qui a lieu depuis 25 ans et l'espace Mendès France au moins fait une Semaine du cerveau depuis 20 ans en collaboration, je me tourne vers Mohamed Jaber, le directeur du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques de l'Université de Poitiers avec qui nous travaillons depuis 20 ans. Merci encore d'être présent ce soir. Voilà. Et intelligence artificielle, c'est vrai que c'est à la mode, et psychiatrie. Et c'est vrai que l'idée de ce thème nous est venue suite à un projet qui a été mis en place par des élèves et des enseignants de lycée André Theurier de Civray. Et ce projet, donc soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, a obtenu le prix, le premier prix, donc du concours national de sciences qui s'appelle C'est génial, voilà, c'est ça. Et voilà, on est heureux de vous présenter. Donc il y a des enseignants présents ce soir. Donc Vincent Carrier, qui est présent, donc professeur de physique au lycée de Civray, ainsi que son collègue Franck Martin, professeur de mathématiques, et des élèves donc, qui vont vous parler de leur projet, et maintenant, enfin, qui est terminé presque. Et donc ce projet était, alors je ne sais pas exactement parce que c'est pointu, mais en gros, la modélisation des réseaux de neurones et l'apport donc, notamment par rapport aux troubles mentaux. Voilà, c'est une hypothèse de recherche. Voilà. Et donc ce soir, on va présenter ce projet. Et pour accompagner cette présentation, on a fait appel également à trois chercheurs. Donc j'ai le plaisir d'accueillir des scientifiques de l'Université de Poitiers. Donc Mohamed Jaber, j'ai présenté tout à l'heure, qui dirige donc, le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, qui animera également cette soirée. Également, donc, à côté, son collègue Jean-Xavier, qui est professeur, qui travaille au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, Université de Poitiers. Il est également pédopsychiatre, donc il exerce au pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au l'hôpital Henri Laborie. Bon, il a d'autres casquettes et d'autres fonctions. Et puis également, en visioconférence, en direct de Bordeaux, nous aurons sur l'aspect informatique Amélie Haussel, pardon, qui est donc chercheuse à l'INRIA et qui a donc travaillé avec l'établissement donc de Civray pour la construction de leur projet. Donc voilà, je laisse la parole tout de suite à Mohamed Jaber pour animer cette soirée et je vous souhaite une bonne soirée. Vous pourrez poser toutes vos questions à plus tard. Merci beaucoup Christine, c'est toujours un plaisir de venir ici à l'espace Mendès France qui est ma deuxième maison. Et merci pour votre accueil toujours chaleureux et agréable. Et merci pour tous, hein, pour vous d'être présents ici ce soir avec nous et aussi pour mes collègues. De nous consacrer tout ce temps. Donc effectivement, la soirée va s'articuler autour de ce projet. Et on a organisé la soirée en différentes parties, que je vais pas vous décrire, mais juste pour vous dire qu'on va s'arrêter à chaque partie et puis vous donner la parole. Mais pour qu'on ne soit pas là jusqu'à 1h du matin, hein, on va faire deux ou trois questions, deux ou trois interventions par partie, et ce qui va nous amener vers 9h30, 10h. Voilà. OK ? Donc on va peut-être commencer par une initiation pour vous mettre en appétit, comme on dit, une mise en bouche avec une vidéo. Je vais laisser le responsable de cette activité nous la présenter. Et puis on va commencer à partir de là. Je vais rien dire, je vais rien spoiler, je vais directement mettre le clip des élèves. On a tous quelqu'un dans notre entourage touché par la dépression, que ce soit suite à un décès d'un proche, une rupture amoureuse, ou bien la perte d'un emploi. Mais chez certaines personnes, la dépression peut survenir sans raison, et parfois de manière complètement irrégulière, voire imprévisible, pouvant ainsi bouleverser gravement à chaque instant la vie du malade. Le cerveau humain est composé de 85 milliards de neurones. Ces neurones s'envoient des informations par le biais de signaux électriques. Ces neurones, ils ont deux états. Ils sont soit polarisés, soit ils sont dépolarisés. Vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont tout simplement soit allumés, soit éteints.
Les traitements actuels des dépressions utilisent des molécules qui agissent sur les neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs sont ceux qui font la transmission d'informations entre chaque neurone. Ces traitements sont appelés des antidépresseurs ou des thymorégulateurs. Mais, dans le cas des dépressions aléatoires, ces traitements sont inefficaces. Notre hypothèse serait que le problème ne viendrait pas de la transmission entre les neurones, mais plutôt de phénomènes d'emballement du cerveau. L'information se mettant à tourner à toute vitesse. Pour tester cette hypothèse, nous avons créé un réseau de neurones informatiques où nous avons étudié les différentes instabilités. Ce réseau informatique mimant le cerveau humain. Et ces instabilités, nous les avons comparées à celles rencontrées en psychiatrie. Chaque neurone est une variable valant 0. Ici, pour les points bleus, ou 1 pour les points rouges. Et ces états changent en fonction des neurones auxquels ils étaient connectés. Nous avons deux phases de stimulation extérieure dans notre réseau. La journée, où on envoie sur une partie du réseau une certaine quantité d'informations aléatoires qui modélisent les informations reçues par nos sens, comme la vue ou l'odorat. Et la nuit, où on n'envoie plus d'informations. Nous avons deux types de réactions de notre réseau. L'état stable, où nos neurones s'activent, puis s'éteignent la nuit. Et l'état instable, où presque tous les neurones entrent en activité, s'allumant et s'éteignant sans arrêt, de jour comme de nuit, indépendamment donc des sollicitations extérieures. Souvenez-vous de nos neurones emballés. Ces derniers étaient dans un état que l'on qualifie d'instable. Et cet emballement se retrouve en psychiatrie, où les malades témoignent d'emballement des pensées. Mais ce n'est pas tout. En effet, on remarque que notre réseau est plus sensible aux informations extérieures, ce qui montre qu'ils sont plus sujets aux instabilités. Et ces instabilités-là, on les retrouve notamment en psychiatrie, avec nos patients, les hypersensibles, qui sont plus sujets aux instabilités de l'humeur. Ces résultats nous ouvrent une nouvelle perspective de traitement. On va agir sur les réseaux de neurones plutôt que sur les neurotransmetteurs. Donc, la parole est à votre professeur qui va vous solliciter et qui va nous décrire le projet qui vient d'être introduit. Ah, bon, ben, merci bien. Alors, je vais. L'idée, c'est juste de vous présenter un petit peu, d'introduire un petit peu la genèse en fait de ce projet-là, et puis après les élèves vont un petit peu plus raconter. Alors, avec mon collègue qui est là, on anime à notre lycée depuis pas loin d'une dizaine d'années un club d'initiation à la recherche scientifique. Donc, le but, c'est pas de faire des projets scientifiques, voilà, simples. C'est vraiment, nous, on a un passé dans la recherche en fait. On a été chercheurs et pour nous, ce qui est bien dans la science, c'est pas que les connaissances qu'on va transmettre aux élèves, mais c'est beaucoup plus la science quand elle est vivante, c'est-à-dire à cette frontière-là où on va chercher, on va essayer de découvrir d'autres choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous meut énormément tous les deux et qu'on souhaite transmettre aux élèves. Et alors, pour le transmettre, ben, le mieux, c'est de le faire, quoi. Et donc, on choisit des élèves qui aiment les sciences, qui ont l'appétence pour ça, et on va les confronter à des vrais sujets de recherche, des sujets de recherche qui pourraient être des sujets de thèse à part entière, et qui vont mener pendant 2 ans. Voilà, donc pour les mettre, essayer de leur transmettre le virus que nous on a eu sur cette recherche scientifique. Alors, on leur propose deux choses, soit d'essayer d'élaborer eux-mêmes un sujet de recherche, ce qui n'est pas toujours évident, soit aussi on leur propose toujours, on a toujours des sujets de recherche qu'on peut leur proposer, à eux de choisir, soit parmi ce qu'on leur propose, soit. Et puis donc là, pour le coup, l'année dernière, ben, ils avaient choisi ce sujet-là que pour le coup, on leur avait proposé.
Alors, ce sujet-là, je vais juste, je vais pas après dire, je vais dire comment en fait il est arrivé. Donc, ça va me permettre aussi de définir en fait quelques termes avant. Là, on va parler en particulier de bipolarité. Vous en avez un petit peu entendu parler. Je voulais juste savoir là, dans la salle, je voudrais juste savoir combien il y a de personnes qui ont dans leur entourage ou ont fréquenté peu ou prou des bipolaires. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Ouais, c'est, je trouve ça assez impressionnant. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, trouble bipolaire, on dit qu'il y a entre 1% et 2,5% en France de la population qui est touchée par ce trouble. Donc c'est énorme, en fait. Parmi les chiffres que j'ai vus, mais j'imagine que Jean-Xavier pourra en donner des beaucoup plus précis. Moi, j'ai vu 45 millions de personnes estimées dans le monde atteintes de ce trouble, donc c'est juste énorme, en fait. Et donc, alors, ce trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est? On va trouver différents types. Alors, le plus connu, c'est celui qu'on appelait les maniaco-dépressifs avant, donc, où on a des gens qui vont avoir une humeur qui va être extrêmement labile, avec des phases où ils vont être en dépression, donc vraiment en grande souffrance psychique, en grosse dépression. Et puis des phases maniaques où là, par contre, ils sont pleins d'énergie, mais vraiment avec trop d'énergie, parfois un peu agressif, parfois compulsif à faire des achats compulsifs et compagnie. Alors, les plus connus dans les bipolaires, dans les lieux communs, c'est les cyclothymiques. C'est ceux qui vont avoir des phases de tous les 3 mois, en gros, une période de dépression de 3 mois, puis une période maniaque 3 mois, et puis etc., etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler les bipolaires type 1. Tu préciseras, tu me corrigeras au besoin. Et cela, ça fait longtemps qu'il y a des traitements pour eux, donc notamment le lithium, il y a longtemps, et puis maintenant des thymorégulateurs. Et bon, ils sont pas, on peut pas dire, je crois, qu'ils aient une vie tout à fait normalisée, mais bon, on arrive dans beaucoup de cas à un peu amoindrir les fluctuations de l'humeur. Alors, ce n'est pas de eux dont sur lesquels on s'est intéressé. Il y a deux types en fait de bipolarité où là, la survenue en fait des états dépressifs et ou maniaques est absolument irrégulière et imprévisible. Au moins dans le cas de la cyclothymie, au moins le malade il a ce petit bénéfice de se dire bon, j'ai un peu une vue sur quand est-ce que les choses vont me tomber dessus. Dans le cas de ce qu'on classifie dans les bipolaires de type 3, alors là l'humeur, c'est-à-dire la personne se couche le soir, elle n'a aucune idée le lendemain matin dans quel état elle va se réveiller. C'est-à-dire qu'elle peut être bien un jour et le lendemain matin, sans aucune raison, elle va se retrouver, elle va se réveiller dans un état dépressif profond, donc en grande souffrance psychique, sans aucune raison, et elle ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter au bout d'une semaine, ça peut s'arrêter au bout d'un mois, ça peut s'arrêter au bout de 6 mois, et ça s'arrête comme c'est venu. Et donc là, au niveau des traitements pour ces personnes-là, on a un peu les mêmes traitements que pour les bipolaires de type 1, donc des thymorégulateurs, qui fonctionnent pour le coup assez mal, en fait, dans ces cas-là. On a beaucoup plus de mal à réguler l'humeur pour ces gens-là. Donc souvent, ils sont plutôt assommés par des grosses doses d'antidépresseurs. Et ça fonctionne pas toujours très, très bien. Parfois, quand on a plus de médicaments, quand on a tout essayé, tous les types d'antidépresseurs et que ça donne rien, on met des grosses doses neuroleptiques. Donc après, on a une sorte de quelqu'un qui est un peu éteint, voilà, comme ça, c'est une sous-vie en fait. Et en réalité, on voit des gens qui parcourent, en fait, qui traversent leur vie en ayant rencontré des dizaines, des vingtaines de psychiatres, autres psychanalystes et tout ça, et en fait d'avoir essayé tous les traitements, tout écumé, et en fait de passer de Caribe dans Scylla, et en fait à jamais arriver à avoir ne serait-ce que des pauses, en fait, des moments de rémission, rien en fait. Et ce qui est peut-être aussi un peu surprenant sur ces là-dessus, c'est on voit à l'heure actuelle, un désaccord criant en fait entre les neurologues et les psychiatres. Alors, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais c'est-à-dire que les neurologues se sont complètement opposés en fait au traitement que pour ces malades-là, les psychiatres sont parfois un peu dépourvus. Ils vont mettre des fortes doses de neuroleptiques ou d'antidépresseurs et les neurologues lèvent les bras au ciel en disant mais c'est pas possible, on peut pas bien vieillir avec des traitements comme ça. Et en fait, ils sont pas d'accord. Le seul point où ils sont absolument d'accord, c'est qu'en fait, ils ont
pas de solution en fait. Et donc on est face à des gens qui sont plongés dans des souffrances colossales en fait toute leur vie, hein, et qui à l'heure actuelle on ne sait pas bien les causes, et on n'a pas de remède non plus. Voilà. Alors ça, c'était le constat, le point de départ. Alors vous allez dire, mais quel rapport ? Alors les élèves, ils vont vous parler d'un gros mot, ils vont parler de chaos. Alors ça, c'est un mot valise. Alors je vais vraiment vouloir bien clarifier ce que c'est cette histoire-là. Alors je vais prendre ma petite règle. Hein. Je vais parler de pour introduire cette notion-là de chaos, alors je vais essayer de le faire avec le micro d'une main et la main de l'autre. Alors, ouais, si tu veux. Alors. Ah, j'ai une bonne voix. Non, sinon, on fait sans micro. Ah oui, on enregistre. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle... Chanter ? Je peux essayer. Là, j'ai accroché une règle sur un stylo, et en fait, si je l'écarte, elle se met à osciller comme ça. Alors ça, c'est ce qu'en physique, on appelle le pendule simple. On sait parfaitement décrire mathématiquement les équations en fait, qui régissent ce mouvement-là. Et ça finit par s'arrêter parce qu'il y a des frottements. Là-dessus, on sait très, très bien décrire tout ça. En fait. Alors, un petit point sur lequel je pointe tout de suite, c'est que si j'écarte de 50 degrés, par exemple, je suis à peu près à 50 degrés, hein, Franck, tu es d'accord, et que je lâche, on a un certain mouvement. Vous voyez, il est assez intuitif. Hein. Et puis, si je me mets à 51 degrés ou 50,0001 degrés, eh ben, j'ai à peu près le même mouvement, en fait. Okay, et je peux le prédire mathématiquement, on le sait bien. Voilà. Alors, maintenant, je ne l'ai pas là, parce que ce n'est pas facile à trouver, mais on va imaginer que je fais un autre trou ici et que j'accroche une deuxième règle. Okay, c'est ce qu'on appelle le double pendule. Donc, j'ai un autre pendule qui est ici, mais à la différence, c'est que là, je tenais mon stylo un peu stable. Okay. Je ne tremble pas trop. Et là, pour le coup, le point d'attache ici va bouger cette fois, okay, parce que le deuxième pendule est accroché au bout du premier. Donc maintenant, je vais prendre le deuxième pendule et je vais lui donner un angle de 50 degrés. Okay. Maintenant, ce qui change, c'est que ça bouge. Et donc, en fait, il va se mettre à osciller, mais lui aussi va se mettre à osciller. Et en fait, on va avoir des mouvements un peu beaucoup plus lents. Parfois, il va faire celui du bas, va se mettre à tourner, faire des tours dans un sens, dans l'autre. Ça va être beaucoup moins régulier et ça va faire des choses beaucoup plus curieuses, en fait, en termes de mouvement. Le point qui est hyper important, c'est que si je l'écarte de 50 degrés, il va faire un certain mouvement. Okay. Maintenant, si je l'écarte de 50,00001 degrés, la trajectoire va être complètement différente. Complètement différente. Ce qui veut dire qu'on est incapable de prédire le mouvement de l'ensemble des deux pendules. Vous voyez bien que c'est pourtant quelque chose de très simple. Hein. C'est très très simple. Même mathématiquement, les équations sont très très simples. On sait bien le décrire. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle une hypersensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que s'il y a un milliardième de degré de différence, mais même encore moins, eh bien, la trajectoire va être complètement différente. Donc on ne peut pas prédire la trajectoire de ces deux pendules sur un système aussi simple que ça. Okay. Et donc, c'est un système qui est imprédictible, et on dit cette hypersensibilité aux conditions initiales. Et c'est ça qu'on appelle un système dynamique, et donc il y a un mouvement qu'on appelle en physique chaotique. En fait. Alors, c'est quelque chose que dans le langage courant, vous avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être un peu entendu parler par l'effet papillon. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu ce lieu commun qu'un battement d'ailes de papillon en Australie peut générer un cyclone ici en Europe. Oui, voilà, t'as raison, merci. Ouais, j'ai fini. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que un tout petit truc, le climat, c'est un système dynamique. En fait, peut introduire d'énormes changements. En fait. Alors voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, je vois toujours pas du tout le rapport avec les bipolaires. Alors, il se trouve que moi, dans mon passé de chercheur, j'avais travaillé un petit peu sur le chaos. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'un système est chaotique ? Parce que là, on voit bien le pendule simple, il n'est pas chaotique. Je mets un deuxième pendule, ça devient chaotique. Comment ça se fait ? Alors, en fait, les ingrédients, ça se voit bien ici au niveau mathématique, les ingrédients qui font qu'un système peut devenir chaotique, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un couplage fort. Donc là, ici, le couplage, c'est parce que le mouvement du pendule du bas dépend du mouvement du pendule du haut, puisque la tâche, elle bouge. Okay, donc il y a un couplage fort entre les deux.
Et le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut qu'il y ait de la non-linéarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne varie pas de manière proportionnelle. Okay ? Il y a une loi qui n'est pas proportionnelle. Donc ces deux ingrédients, un couplage fort et quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la proportionnalité. Et en fait, quand on regarde dans le cerveau, regardons bien, les neurones, ils sont tous interconnectés. Donc l'état d'un neurone dépend de l'état de beaucoup d'autres neurones, en fait. Donc là, on a déjà un couplage extrêmement fort, en fait, très très fort dans le cerveau. Et ensuite, c'est extrêmement pas du tout proportionnel. C'est-à-dire que l'état d'un neurone, c'est soit 0, soit 1. Donc il n'est pas du tout proportionnel à l'état de ses voisins. En fait, il fonctionne par seuil, c'est-à-dire s'il a un certain nombre de voisins qui vont être activés, il va s'activer. Si c'est en dessous, il ne s'active pas. Si c'est au-dessus, il s'active. Et ça, ce n'est pas du tout proportionnel pour le coup. Et donc, on a les deux ingrédients pour un physicien du chaos où on se dit, là, il y a tous les ingrédients pour que le système puisse être chaotique et donc puisse s'emballer, puisse présenter en fait des moments où il peut éventuellement s'emballer et avoir un comportement assez erratique. Et voilà, donc là, il y avait déjà ce lien-là. Et puis, il y a eu le dernier point, c'est qu'il y a eu un article en 1993 par des gens alors de l'université, je sais plus quelle université aux États-Unis, c'est des physiciens du chaos qui sont allés piquer peut-être sur le bureau d'un psychiatre des signaux en fait de l'humeur chez des unipolaires. Alors les unipolaires, c'est des bipolaires, mais qui n'ont pas de phase up. Ils ont que des phases. Ils sont soit à peu près bien normaux, soit dépression profonde. Et donc ils ont pris ces signaux de l'humeur. Donc, tel jour je suis bien, tel jour je suis pas bien, tel jour je suis bien. Et puis ils les ont analysés. Les physiciens, ils savent bien analyser les signaux. Ils ont analysé comme un signal électrique ou tout ça, et ils ont trouvé en fait que ça avait vraiment les marqueurs d'un système chaotique. Avec les physiciens, ils savent bien les caractériser avec une dimensionnalité tout ça. Et donc c'était pas quelque chose de complètement aléatoire. C'est-à-dire que quand on voit un signal aléatoire, un physicien du chaos est capable de caractériser ce type d'aléatoire. Et là, il y avait quelque chose où ça, c'est un système chaotique, un peu comme l'histoire du double pendule. Et en plus, en étant capable de le caractériser. Mais cet article est resté lettre morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de suite à ça, c'est-à-dire, d'accord, c'est chaotique, mais en quoi c'est chaotique ? Pourquoi c'est chaotique ? Et voilà, c'est resté lettre morte. Et donc, en fait, c'est ça qu'on a proposé aux élèves, se dire, et si, en fait, cette instabilité... et si le cerveau en fait pouvait présenter des instabilités, c'est-à-dire chaque neurone fonctionne parfaitement bien, mais la machine s'emballe avec des moments où le cerveau va partir en hyperactivité, et puis des moments où il va être calme, et on leur a proposé de se lancer dans cette aventure-là. Voilà. C'est là. J'étais en train de chercher le double pendule parce que je l'ai déjà vu. Oui. Et si on peut avoir la. Faut demander à Julien. Julien, tu peux nous envoyer le. Il arrive. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. La position que tu donnes au premier fait que le mouvement du second devient complètement aléatoire à partir d'un certain âge. C'est ça. En fait, on est incapable de prédire, en fait. Alors que quand il n'y en a qu'un, on peut tout prédire. Là, on est incapable de prédire ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de moteur. Hein. C'est juste le mouvement qui va finir par s'arrêter au bout d'un moment. Hein. Et vous voyez que ça paraît complètement... Enfin, oui, c'est complètement erratique, en fait. Hein. Parce que j'avais déjà vu ça, et ça m'avait justement interpellé. Et en biologie, ça peut peut-être te surprendre, mais ça nous parle. Alors peut-être donner la parole à mon collègue psychiatre, parce que tu as défini des pathologies psychiatriques. Et avant d'aller plus loin, ce serait bien d'avoir l'œil du spécialiste. Bien, merci beaucoup. Mais, donc moi, ce que je voudrais, c'est simplement rajouter peut-être quelques mots à cette introduction, parce que ce que tu as dit était parfaitement, bien évidemment... vrai, mais peut-être quand même pour pouvoir, je dirais, insister sur
ce qui fait peut-être l'intérêt de notre clinique, pardon d'utiliser ce terme-là, mais c'est quand même la diversité, finalement, des troubles. Il y a type 1, type 2, effectivement. Donc, ce que tu as décrit, c'est effectivement très clair. Simplement, l'expression clinique, elle est à chaque fois quand même singulière, même s'il y a des mots-clés qui sont effectivement manie, qui sont dépression, qui sont dans la manie, une euphorie, une exaltation de l'humeur, une tachypsychie, enfin bon. Effectivement, ce sont des mots-clés, mais chaque patient est unique. Et si je dis ça, c'est que c'est aussi ce qui fait, alors pas la complexité, mais peut-être la complication, je dirais, pour pouvoir les traiter. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des comorbidités. C'est-à-dire que vous avez des patients qui ont des accès maniaques, qui ont des épisodes maniaques, ou des épisodes dépressifs, mais qui sont aussi anxieux, par exemple. Ou qui vont présenter des symptômes psychotiques, ou des idées délirantes. Donc, il y a une diversité clinique et une richesse, même si le mot richesse est effectivement pas très adapté, mais enfin, en tout cas, une diversité de la symptomatologie qu'il est difficile, effectivement, de cerner par, encore une fois, certains mots-clés, peut-être, qui sont, encore une fois, tout à fait vrais, mais peut-être, dans certains cas, un peu réducteurs. Donc, ça, c'est... Donc, en tout cas, pour la clinique, voilà effectivement ce que je pourrais rajouter. Après, peut-être, on pourra discuter ensemble de cette question de non-linéarité, de chaos, de complexité, parce que ça me parle beaucoup. Mais on fera ça peut-être tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, pour voir si vous avez des questions à ce niveau-là, et avant de solliciter les élèves qui ont réalisé ce projet pour leur demander pourquoi avoir choisi ce projet et comment ils l'ont mené, donc je reviens sur la partie introductive qu'a fait mon collègue Vincent concernant l'état chaotique, parce que c'est l'hypothèse de travail à partir de laquelle vous êtes parti. Les neurones en pathologie deviennent chaotiques. Et la définition qui m'a été donnée, parce qu'on a travaillé en amont, c'est une divergence de l'état du système en réponse à une fluctuation initiale. Et ben moi, cette définition me convient parfaitement bien. Une divergence de l'état du système en réponse à une fluctuation initiale, parce que dans notre jargon que Jean, mon collègue psychiatre, connaît bien, l'état du système, je suppose qu'on parle de l'état du système physiologique, ce que vous pouvez appeler normal, et ça, c'était décrit par Claude Bernard, le grand physiologiste français, et il a appelé ça l'homéostasie, à savoir l'état d'équilibre du système. Et un état qui est, non pas un déséquilibre, mais un état altéré, un autre professeur, cette fois-ci plus contemporain, qui était pendant une période de temps mon maître, Michel Lomol, que tu connais, appelait ça l'allostasie, c'est-à-dire le passage de l'état d'équilibre à, non pas un état de déséquilibre, mais à un nouvel état d'équilibre qui, lui, n'est pas physiologique, mais qui est pathologique. Mais ça reste un état d'équilibre. D'accord ? Et c'est là-dessus que j'aimerais discuter avec vous, pas tout de suite, parce qu'on est dans l'intro, cette soirée, c'est que... ce que vous appelez chaos, nous appelons un nouvel équilibre. D'accord ? Et juste pour le grand public qui n'est pas familier parce que, avec le terme chaos, les physiciens, les mathématiciens n'utilisent pas le terme chaos pour dire non organisé, quoi. C'est pas ça un état chaotique. Et juste pour introduire la soirée aussi, la machine qui s'emballe et qui tourne en boucle... Mais ça aussi, on le trouve dans plusieurs pathologies psychiatriques. Là, tu as parlé des troubles bipolaires. Mais on le trouve notamment dans des pathologies neurologiques, comme l'épilepsie, à savoir, à partir d'une excitation, le système s'emballe, et c'est tous les neurones qui deviennent excités, et il faut absolument les calmer. Et ça, c'est à l'origine de l'épilepsie. Et on le retrouve aussi dans d'autres pathologies psychiatriques, cet état répétitif, et notamment dans l'autisme, avec des mouvements et des pensées qui sont répétées. Donc ça nous parle, tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça, avant... de passer à la deuxième partie, ce qui m'intéresserait de savoir pourquoi avoir choisi ça et pourquoi avoir choisi cet angle-là. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, quelqu'un voudrait intervenir ? Donc, merci de lever la main quand vous voulez poser des questions, parce que la soirée est enregistrée, pour pouvoir la retrouver après sur le site. J'ai une première question là. Donc. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a des modifications dans le cerveau, comme la destruction de neurones ou la modification d'expression des gènes dans les cellules cérébrales? Je vais être très court parce qu'on est dans la partie introductive. Je dirais de manière très courte et rapide et pédagogique,
Oui, bien entendu, parce que même Freud, dans ses écrits, il a écrit, je paraphrase, je ne me rappelle pas exactement de la phrase, c'est « on trouvera un jour que toutes les maladies psychiatriques ont une base biologique », parce que de toute façon, quelque part, il y a une trace de ces dysfonctionnements. Donc la réponse très courte et très rapide, c'est oui, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Bon. Une autre question. Pour juste peut-être un peu discuter, parce que vous posez une question qui est très simple, évidemment, hein, et puis on peut répondre en, effectivement dans une phrase. Non, c'est une question qui est effectivement compliquée. Alors oui, il y a effectivement une trace dans le cerveau. Ce que vous interrogez là, c'est donc déjà finalement la trace dans le cerveau. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que c'est finalement une apparence fonctionnelle? Autrement dit, si je n'utilise plus mon bras gauche pendant 10 ans, pendant 5 ans, si vous me faites une IRM 7 Tesla, parce que nous avons la chance d'avoir ça donc à Poitiers, eh bien peut-être qu'il y aura des modifications qui illustreront effectivement le fait que je n'ai pas utilisé une partie de mon corps. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence, hein? Après, pour vous répondre, donc effectivement, si on s'intéresse à ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes et des facteurs, hein, qui concourent à l'apparition de la maladie. Ce que je pensais plutôt, c'était l'évoquer tout à l'heure, parce que là, il y a effectivement une forme de complexité, une forme de, je dirais, de système complexe, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais qui peut-être va intégrer le réseau de neurones, mais qui ne se résume pas au réseau de neurones. Ce que j'essaierai de dire un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a un niveau, je dirais, de l'activité des gènes, de l'expression des gènes, ça, c'est un premier niveau, un niveau neuronal, puis un niveau en termes, je dirais, de comportement et d'expérience avec l'environnement, donc d'expérience interactive avec l'environnement. Et c'est ce millefeuille-là et des interactions entre chaque niveau, entre chaque étage, qui sont bidirectionnels. Alors, je ne sais pas si on peut parler de boucle rétroactive à ce moment-là. Bon, j'en parle tout de suite parce que je commence déjà donc à l'évoquer. L'idée, c'est que ce qui peut sous-tendre un trouble psychiatrique, ce n'est pas, je dirais, un lien, en tout cas une relation linéaire entre un gène et le trouble, parce que ça, vous ne le trouverez pas. C'est souvent polygénique. Il y a plusieurs gènes qui interagissent entre eux. Et des gènes qui ne sont pas spécifiques, hein, parce que les gènes que vous allez retrouver qui peuvent être mis en cause, parce qu'on sait qu'il y a une forme d'hérédité dans le trouble bipolaire qui est démontrée. Mais le gène que vous allez mettre en cause, il va se retrouver aussi dans d'autres pathologies. C'est un peu ça la difficulté aussi de notre métier. Ce qui n'est pas forcément le cas, donc, d'ailleurs, dans certaines maladies somatiques. Mais en psychiatrie, c'est souvent le cas. Vous allez retrouver des gènes dans le trouble bipolaire que vous allez retrouver dans la schizophrénie, dans l'autisme ou dans le trouble attentionnel. Bon. Donc, il y a plusieurs gènes qui interagissent entre eux. Et puis, il y a une interaction entre les gènes, l'expression des gènes et le niveau neuronal, et le niveau, je dirais, des réseaux neuronaux. L'activité neuronale, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'épigenèse probabiliste, donc c'est un terme qui peut être un peu familier, puisqu'on parle effectivement de probabilité, on peut parler d'aléatoire, on peut parler de non-linéarité et de système dynamique. Eh bien, l'idée, c'est que il y a une interaction entre l'expression, je dirais, l'activité neuronale et l'expression des gènes. L'activité neuronale va moduler l'expression des gènes en retour. Donc il y a gènes, réseau de neurones, et réseau de neurones qui va interagir sur les gènes. D'accord ? Donc il y a là aussi cette forme de complexité qui est un peu supplémentaire. Après, une autre couche à rajouter, c'est celle du comportement, et c'est celle de l'interaction avec l'environnement. Vous allez avoir, par exemple, dans certaines étiologies de troubles bipolaires, eh bien, certains facteurs environnementaux, qui sont les polluants, qui sont des facteurs de stress, qui sont... Bon. Eh bien, ces facteurs-là, ils vont interagir aussi sur l'activité neuronale, qui elle-même va interagir dans une sorte de boucle avec l'expression, finalement, des gènes. Donc, ça monte et ça descend. Et donc, finalement, l'expérience interactive avec l'environnement, certains éléments de l'histoire du sujet, vont avoir, finalement, un impact sur l'activité du cerveau, et finalement, je dirais in fine, sur l'expression des gènes. Donc, vous voyez, c'est à plusieurs niveaux, une sorte de millefeuille avec une interaction finalement entre chaque niveau, ce qui fait que, eh bien, il se crée des sortes de boucles. Et finalement, la cause de la maladie,
bien, c'est justement cette interaction-là. Et c'est en cela que cela m'intéresse, effectivement, de penser les choses en termes de systèmes complexes, parce qu'on n'a pas cette linéarité-là. On n'a pas cette relation, comme diraient les mathématiciens, bijective entre la cause et l'effet. On ne peut pas définir un système complexe, il me semble, par la somme, finalement, de ces éléments. C'est par leur interaction. Eh bien, ce qui se joue là, et ce qui implique aussi, effectivement, le réseau neuronal, ce sont des interactions dans ce système complexe qui implique effectivement les gènes, leur expression, le réseau neuronal, le comportement, l'environnement. Voilà, hein, pour essayer de répondre. Alors, bien sûr qu'à chaque étage, on va avoir des traces, on va avoir des éléments, mais ces éléments-là, on ne peut les comprendre qu'au regard, effectivement, de cette dynamique complexe. Et pas en se disant, ah ben tiens, j'ai trouvé un truc là, donc c'est la cause. Parce qu'à ce moment-là, on fait fi de ce que Gottlieb effectivement appelait donc épigenèse probabiliste, moi qui me semble très intéressante. On peut l'appliquer dans les troubles du neurodéveloppement, par exemple, et d'ailleurs le trouble bipolaire est aussi abordé en termes de troubles du neurodéveloppement. Donc on est dans quelque chose de dynamique, de développemental et d'interactif à plusieurs niveaux. J'arrête là. Donc, juste pour illustrer, pour l'autisme qu'on a cité, on a identifié plus de 1200 gènes susceptibles d'interagir ou d'être impliqué dans la pathologie. Donc on est loin de un gène, une protéine, une pathologie. Il y avait une autre question avant de passer à la deuxième partie. Oui, excusez-moi, c'est une question parce que tout à l'heure a été dit que pendant la nuit, le cerveau ne fonctionnait pas, que les neurones étaient éteints. Or, je pense quand même que le fait qu'on rêve et que pendant la nuit, il y a quand même des interactions qui se font. Et qui peuvent d'ailleurs interagir de façon sur les maladies aussi. C'est l'hypothèse qui a été proposée par nos jeunes et qui vont devoir défendre tout de suite. D'accord. Justement. Est-ce que vous pouvez passer à côté de nous? On va vous passer des micros et je vais commencer par vous demander, venez par là pour qu'on puisse vous filmer. On va peut-être pour vous passer un micro. Et vous allez nous dire déjà pourquoi diable vous avez choisi ce projet. Là, vous m'entendez ? Oui. Ah oui. Juste avant de vous répondre, je voulais déjà répondre à votre question. C'est qu'on a mal défini le terme nuit ici. Le terme nuit, c'est plutôt qu'il n'y a aucune arrivée d'information. Et le terme jour, c'est quand on en envoie, par exemple, la vue ou bien l'ouïe. Mais bien évidemment, la nuit, le cerveau travaille, il fait des rêves, il est encore conscient. C'est juste que là, on voulait parler plutôt de l'arrivée d'informations. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce sujet, alors ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ? C'était... Parce que c'est... Il y avait plus simple, hein. Alors, il y avait plus simple, mais justement, qu'est-ce qu'on a fait pour le rendre plus simple, ce sujet ? C'est qu'on est parti d'un modèle très simplifié, parce que le cerveau, justement, est très complexe, et je ne pense pas qu'un ordinateur, un jour, même avec des nouveaux ordinateurs quantiques, puisse le reproduire. C'est vraiment une machine très complexe que, bah, heureusement, la vie, je ne sais quel miracle, a réussi à faire. Et donc, on est parti sur... des paramètres très simplifiés pour pouvoir étudier et au fur et à mesure ajouter des paramètres et comprendre qu'est-ce qui peut causer ce genre d'instabilité, pourquoi il y a des hypersensibles, des bipolaires, d'où vient le chaos justement. Et donc on n'est pas parti au départ pour chercher du chaos, on a essayé déjà de comprendre comment fonctionner. Donc, alors justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que vous êtes parti avec l'hypothèse que dans les pathologies psychiatriques, il y aurait un fonctionnement chaotique, ou bien est-ce qu'en construisant votre système, en le manipulant, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un fonctionnement chaotique ? Déjà, en partant de notre machinerie rudimentaire, donc, comme il l'a dit, on a introduit plusieurs paramètres, insensibilité, connexion, combien de neurones, etc. Et avec tout ça, on a pu faire des tests. Et avec ces tests, on a pu observer différents états, comme un état stable où la proportion d'informations qu'on reçoit et ce qu'on traite, c'est proportionnel. Il n'y a pas de,
on n'active pas trop de neurones pour l'information reçue. Et on a des états instables où là, c'est complètement déconnecté. Soit c'est éteint, soit c'est totalement l'inverse. Et tous les neurones sont activés alors qu'on a juste envoyé une simple information. Et pour ce qui est de l'état chaotique, donc nous, quand on a travaillé dessus, on n'en a pas encore trouvé. On est encore en train de chercher ce qui se passe, notamment avec le projet qui suit. Et donc cet état chaotique, c'est ce qu'on espère un jour trouver. Et c'est ce qu'ils ont trouvé, normalement. Et puis voilà. C'est qu'en fait, oui, comme notre réseau est tellement simplifié, et qu'il n'est pas assez complexe comme le cerveau, on ne peut pas dire qu'il est chaotique. Justement, M. Carré en avait parlé, qu'il fallait des facteurs très complexes pour qu'il puisse y en apparaître. Et en plus, la difficulté dans ce projet, c'est que trouver du chaos, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on veut trouver, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Au final, quand on avait vu les hypersensibles qui avaient un état instable ou stable, le chaos, c'était pas ça. C'est-à-dire que ça fluctuait, mais ce n'était pas un état chaotique encore. Ce qu'on suppose peut-être, c'est que les hypersensibles sont dans un état stable comme nous, et d'un coup, par arrivée d'information, ils surtraitent totalement, et d'un coup, ils passent à un état instable, justement, et on penserait que ça peut être ça, le chaos, mais bon, on n'est sûr de rien. Alors, il y a des collègues qui sont des grands spécialistes, des chercheurs de la modélisation des réseaux neuronaux, et c'est un travail qui est effectivement extrêmement complexe. Et juste pour vous soulager, il n'y a pas de construction idéale, tout simplement parce que quand on veut modéliser quoi que ce soit, il faut avoir parfaitement compris ce qu'on est en train de modéliser pour le simplifier. Et aujourd'hui, on est loin, bien entendu, d'avoir compris tout sur le cerveau. Donc toute notre modélisation, elle part de l'hypothèse, enfin du postulat qu'il faut simplifier, tout en étant parfaitement conscient qu'en simplifiant, on va passer à côté de quelque chose. Maintenant, juste pour un peu initier aussi les discussions, en pathologie, plutôt qu'un système chaotique ou répétitif, comme vous l'avez montré, il y a une notion qui est relativement difficile à manipuler quand on construit des réseaux neuronaux artificiels comme ça, c'est la notion de compensation. Parce que notre cerveau compense énormément les pathologies. Et je vous donne un exemple très concret. Dans la maladie de Parkinson, quand les patients ou leurs soignants ou leur entourage viennent consulter, ils ont déjà perdu 80% de leurs neurones dans une région très précise du cerveau, qui est la substance noire. Quand ils consultent, quand ils commencent à avoir des troubles moteurs, ils ont déjà perdu 80% de leurs neurones. Alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas consulté avant? C'est qu'en fait, le système était capable de compenser progressivement toutes ces pertes de neurones jusqu'à arriver à un moment de cassure où il ne peut plus compenser. D'accord ? Et cette histoire de compensation, elle est relativement difficile aussi à modéliser. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme allostasie, parce que c'est un nouvel équilibre non physiologique. Vous avez parlé d'un autre projet ? Il y a une suite à ça, alors ? Oui. On va passer tout de suite à... On peut. Il y a des questions. Parce qu'il il vous a cité, là. Il y a des questions. Allez-y, questions. Venez, venez. Comment vous mesuriez, justement, le degré d'activité du réseau dans les expériences que vous avez faites? Alors, quand on voyait sur la vidéo, parfois, on voyait un fond derrière nous qui clignotait en jaune et en violet. Ça représentait, justement, comment on le mesure, en gros. La réponse du réseau, c'est des pixels, et les pixels jaunes représentaient les neurones actifs, et les pixels violets, ceux qui étaient éteints. Et dans l'état instable, on voyait que c'était jaune de partout, et que ça clignotait en violet, jaune, de manière biphasique. Et dans l'état stable, on voyait que c'était très léger, il n'y en avait pas beaucoup de neurones actifs. Et donc, on est parti du principe que quand on était dans notre état stable, on avait une réponse modérée du cerveau à l'arrivée d'informations qui arrivent. Et quand on était dans l'état instable, on reçoit la même quantité d'informations, et pourtant le cerveau surtraite complètement ce qu'il reçoit, et donc la réponse est complètement exagérée. Pas le cerveau, votre modèle. Le modèle, oui, pardon, effectivement.
Donc, c'était juste parce que je voulais m'assurer que, justement, de là, très actif, ça veut dire, justement, très, très activé plutôt que très changeant. Il n'est même pas du tout changeant parce que c'est juste une partie des neurones qui s'active, puis après c'est l'autre, puis après c'est vraiment exactement les deux mêmes dans l'état qu'on a trouvé en instable. Encore une, on va faire tourner la salle. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ? Alors c'est Amélie, on va te donner la parole tout de suite après. D'accord, très bien. Ouais, bonsoir, merci. Je voulais juste, pour des journéophytes comme moi qui ne comprennent pas tout à ce que vous racontez, c'était quoi l'installation, votre installation de base, pratiquement, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez observé ? Eh bien, ça peut paraître rudimentaire, mais on est parti avec un langage informatique, Python, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Et donc, on a programmé un réseau, c'est très simple, on a pris une sorte de carré avec 1000 par 1000, donc 1 million de neurones. Et on a donné quelques paramètres, comme quoi une certaine partie, par exemple 1% des 1 million de neurones, va recevoir de l'information et les distribuer aux autres neurones qui vont la traiter. Ensuite, on a établi un paramètre de seuil, c'est-à-dire qu'un neurone, pour être activé, soit il passe à l'état 0 où il n'est pas activé, soit à l'état 1 où il est activé. Et pour passer à cet état-là, il faut qu'il reçoive une certaine quantité d'informations. C'est-à-dire que... Par exemple, il faudrait que je reçoive l'information de 45 autres neurones pour que je passe à l'état activé moi aussi. Et donc, si on ne reçoit pas assez d'informations, il ne s'active toujours pas. Et si jamais le seuil est trop haut, bah, le cerveau ne s'active même pas. Donc, ou s'il est trop faible, on passe à un état instable où tout le monde s'active pour si peu d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a des hypersensibles. On pense que peut-être leur seuil est bas et donc ils surréagissent quand il y a de l'information qui arrive. Avant de passer à notre collègue en visio de Bordeaux, j'aimerais savoir comment le projet a été après récupéré ou continué avec vous. D'accord. Alors nous, en fait, on est parti du réseau de neurones qu'ils ont eux créé dans le cadre de leur projet de neurosciences. D'accord, excusez-moi. Et en fait, on s'est justement demandé si ce mode de fonctionnement, cette topologie, pouvait nous permettre d'obtenir une intelligence artificielle peut-être plus efficace, plus performante que les intelligences artificielles avec leur fonctionnement en couche qu'on connaît. Voilà. Et donc, pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure, vous avez procédé comment ? Donc, en fait, comme Noélie le disait, les intelligences artificielles classiques, elles fonctionnent en couche et elles sont organisées. Alors, du coup, nous, on a repris leur premier réseau qu'ils ont fait. Et on l'a recopié 5 fois, si vous voulez, pour faire 5 petits mondes. Et donc, dans chaque petit monde, il y a des connexions entre eux et entre les autres mondes aussi. Et donc, du coup, il y a un monde qui reçoit les informations et qui va le distribuer à tous les autres mondes. Et donc, ça fait des connexions aléatoires. Et donc, est-ce que vous avez retrouvé cet état chaotique dont on parle tout à l'heure ? Parce que vous avez dit aléatoire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, alors en fait, donc on a refait un diagramme de phase et donc on a donc retrouvé encore des différentes phases et donc on a trouvé un état chaotique à une insensibilité de 65. Enfin, on n'a pas trouvé l'état chaotique, mais c'est... Enfin, si. Bah si, du coup, voilà. Et donc, en fait... Excusez-moi. Oui, donc on a trouvé l'état chaotique, donc c'est l'état où, en fait, on a observé que le programme, enfin le réseau, il passait de instable à stable, stable, instable, etc. Et voilà. Je vais faire tourner un peu. Pour nous, la relève est assurée, là, visiblement. est-ce qu'on peut passer à notre collègue de Bordeaux en visio ? Donc Amélie Haussel, qui a été présentée tout à l'heure, qui est chercheuse à l'INRIA. Voilà, derrière vous. Est-ce que tu nous... Voilà. Bonsoir Amélie. Merci d'être avec nous. Écoute, je vais te laisser la parole libre, hein, dans le sens où on a déjà parlé de beaucoup de choses. Et j'aimerais avoir justement ton feedback sur ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. Oui, alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde.
Je voulais revenir en particulier sur le rôle que peut avoir l'informatique pour aider les neurosciences notamment ou la psychiatrie et aussi sur des questions qui ont été posées sur le modèle qu'ont construit les lycéens et qui est, c'est vrai, une assez grande simplification de la réalité. Mais c'est le principe en fait de faire ce qu'on appelle un modèle. On va, quand on s'intéresse à un phénomène qui est très complexe, comme des phénomènes psychiatriques, le fonctionnement du cerveau humain, en général, on va essayer de simplifier un maximum l'étude qu'on va vouloir en faire. On va essayer, au lieu de faire des études sur des humains, on va essayer d'en faire sur des rats, par exemple, dont le cerveau est un petit peu plus simple, on va pouvoir faire plus d'expériences. On va essayer de simplifier en regroupant un peu des personnes qui ont des symptômes similaires, en les mettant dans des catégories. Tout ça, toutes ces simplifications, c'est ce qu'on appelle un modèle. C'est un peu une espèce de maquette de l'état réel que peut représenter une personne. En informatique, on peut construire des maquettes très très détaillées du cerveau humain. Les lycéens en ont construit une, donc avec un certain niveau de détail. On peut aller encore plus loin, représenter l'état individuel de neurones, comment est-ce qu'ils vont échanger des ions avec le milieu extérieur ou les uns avec les autres. On peut représenter tout ce genre de choses-là directement sur un ordinateur pour représenter un petit cerveau virtuel et s'en servir pour faire toutes les expériences, tester des médicaments, par exemple, pour essayer de comprendre quel traitement pourrait aider dans le cas de certaines pathologies. On peut aussi s'en servir simplement pour essayer de mieux comprendre, en général, qu'est-ce qui peut faire dérailler notre cerveau, qu'est-ce qui peut justement... Où se situe un peu le seuil qui fait passer d'un état où le cerveau est capable de compenser et de fonctionner normalement à un état où il y a un comportement pathologique qui va se déclencher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça pour en revenir sur le projet des lycéens. Oui. Avant de repasser à notre collègue psychiatre, est-ce que tu souhaites interpeller nos jeunes vis-à-vis de ce qu'ils ont fait? Et est-ce que tu as des conseils à leur donner, toi qui es une chercheuse dans ce domaine? Oh ben, d'abord, je voudrais les féliciter pour leur travail. Je trouve qu'ils ont... Ils ont obtenu donc l'année dernière des résultats déjà très intéressants. Et surtout, on voit qu'ils ont bien compris un petit peu la méthode scientifique poser des hypothèses, faire des prédictions, essayer de voir, comparer leurs hypothèses avec les résultats de leurs expériences, etc. Je trouve qu'en général, ils ont aussi été très attachés au fait d'avoir un certain réalisme biologique, de comprendre finalement le lien qui peut être fait entre les 0 et les 1 de leur programme informatique et l'état de santé d'une personne réelle. Pour tout ça, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail et j'espère que les projets suivants seront aussi fructueux. J'espère aussi, d'un point de vue plus personnel, qu'ils vont aussi continuer dans cette branche sur les neurosciences et pas seulement sur de l'intelligence artificielle pure. Parce que je trouve que l'interaction entre les deux domaines est vraiment quelque chose qui mériterait d'être davantage exploré. Amélie, reste avec nous parce que j'aimerais te voir interagir avec mon ami, le collègue psychiatre. Mais avant je voudrais remercier donc nos jeunes, et je pense qu'ils les féliciter pour leur prix, et je pense qu'ils méritent aussi nos applaudissements. Alors, j'aurais juste une question sur le modèle... Si, c'est pour eux, la question? Oui, pour les jeunes. Oui, alors restez avec nous le temps d'une question. Alors. Pour le modèle que vous avez utilisé, donc, est-ce que vous avez utilisé un modèle qui est plus adaptatif, donc c'est-à-dire que les neurones
vont au fil du temps, le système va au fil du temps s'améliorer, je veux dire, ou c'est suite à la réponse à directement faire. Alors nous, avec Anouar, non, puisque même si le cerveau est dynamique, c'est-à-dire que quand il y a des synapses qui sont beaucoup utilisées, elles vont être renforcées, et d'autres, quand elles seront moins utilisées, vont même être détruites. Et donc, nous, on est resté avec des connexions fixes. Par contre, à chaque fois, quand on refaisait des itérations, c'est-à-dire qu'on redonnait de l'information à chaque fois, il y avait une part d'aléatoire quand même là-dedans. Donc, c'était un peu changeant, mais ce n'était pas dynamique comme vous nous le décrivez. Et elles me disent qu'apparemment, elles, oui. Donc... Nous, dans le cadre de l'intelligence artificielle, du coup, nous, on va avoir quand même un cerveau qui va garder une certaine mémoire. Enfin, il va, comment dire, il va évoluer au fil du temps et avec des connexions qui vont, en fonction de ce qu'on va lui apprendre, qui vont s'augmenter ou se diminuer, comme d'ailleurs on peut l'associer à un cerveau humain, ou qui va, en apprenant, renforcer des connexions entre plusieurs neurones. Ou en diminuer d'autres en fonction de ce qui s'active et ceux qui ne s'activent pas, pardon. Merci beaucoup. Alors, j'ai aussi une question pour vous. C'est par rapport à l'hypersensibilité. Vous avez parlé d'un seuil donc d'hypersensibilité et de données. Vous parlez des données des personnes hypersensibles dites nées hypersensibles. Ou des personnes qui le sont devenues soit par des traumatismes, soit par des pathologies. Et par pathologie, je parle de l'anxiété, par exemple, mais aussi de pathologies comme les personnes qui perdent l'ouïe et qui retrouvent l'ouïe, qui généralement sont hypersensibles au niveau de l'ouïe, vu que bah, c'est plus nouveau pour elles et que généralement, elles ont plus de neurones associés à l'ouïe pour compenser. Ça va être difficile pour nos jeunes de répondre, parce que là on touche la clinique, on touche la psychiatrie. Je ne pense pas que ce soit votre domaine, mais vous avez... Nous, on est parti sur un modèle au départ qui était physiologique, mais pas tellement non plus, parce que ce que je sous-entends par physiologique, c'est-à-dire les connexions entre les neurones ne sont pas détériorées, il n'y a pas de maladie qui touche aux synapses, à leur myéline, si elle est dégradée ou... Peu importe. Nous, on est parti plutôt sur un cerveau en bon état comme le vôtre ou le mien, sauf que la structure du cerveau est telle que quand on reçoit de l'information et qu'elle est traitée, ça peut donner, justement, on pense que les hypersensibles ont une structure du cerveau différente de la nôtre, et qui fait que c'est un peu comme si je construisais une tour qui est bien bâtie et la leur a des fondations plutôt mauvaises, et donc leur structure fait que sont peut-être hypersensibles à cause de ça. Ça reste l'hypothèse. Mais il ne faut pas m'en vouloir, parce qu'il faut faire tourner la parole. Et donc, je vais continuer avec... Parce que sinon, il y aura des gens qui seront un peu frustrés. Merci beaucoup. Je vais vous demander de regagner votre place. Et peut-être tout à l'heure, on fera appel à vous aussi. Hein. Merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours rafraîchissant d'écouter les jeunes. Amélie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, que je puisse moi-même comprendre, quel est ton domaine de recherche et en quoi il touche ou il interagit avec la psychiatrie? Oui, alors donc mon domaine de recherche, le terme de jargon, ça s'appelle les neurosciences computationnelles. Et c'est donc, comme on l'a expliqué plus tôt, de l'informatique appliquée aux neurosciences. Comme je disais, moi, mon but, c'est de construire des modèles du cerveau humain qui soient le plus détaillés possible. Souvent, c'est des modèles d'une petite région en particulier. Par exemple, au cours de mes travaux de thèse, il y a quelques années, j'ai travaillé sur une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et ensuite, eh bien, l'idée, c'est de modifier ce modèle pour faire apparaître des pathologies et ensuite prédire l'effet de traitement et notamment de médicaments sur cette partie du cerveau. Donc, par exemple, au cours de ma thèse, donc les travaux sur l'hippocampe, c'était en lien avec l'épilepsie. Donc, il s'agissait de voir parmi tous les signes cliniques qui ont pu être observés sur l'hippocampe de patients épileptiques, d'adultes épileptiques,
finalement quelles étaient les modifications qui étaient à l'origine des crises d'épilepsie et quelles étaient celles qui, au contraire, pouvaient être les conséquences d'une crise. Parce que, eh bien, du coup, les perspectives de traitement sont très différentes selon quel aspect on va vouloir corriger ou non. Pour ce qui est du lien avec, avec la psychiatrie, donc, j'ai eu des travaux donc, en application avec l'épilepsie, comme je l'ai déjà dit, d'autres plus fondamentaux sur la compréhension de l'attention, du phénomène d'attention, notamment visuelle. Et enfin, actuellement, je travaille en collaboration avec des chercheurs de l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, où on cherche on explore de nouvelles perspectives de traitement pour la maladie d'Alzheimer, qui serait par stimulation électrique. Et donc là, l'idée, c'est, comme ça va prendre énormément de temps pour avoir un protocole clinique, on va pouvoir effectivement voir des résultats sur des patients humains, faire un maximum de tests avant sur un modèle informatique et de pouvoir déjà restreindre un peu le champ des possibles, se dire, bon, eh bien, c'est telle zone du cerveau qu'il faut stimuler avec telle fréquence, peut-être telle amplitude de signal, si on veut espérer avoir une amélioration de la mémoire chez les patients. Voilà, typiquement un peu le genre de questions auxquelles j'essaye de répondre actuellement. Merci beaucoup Amélie. C'est très intéressant que tu aies parlé d'hippocampe de mémoire, parce que dans le cadre de la semaine du cerveau, hier, la soirée d'hier était consacrée à la mémoire et à l'hippocampe. J'aimerais maintenant donner la parole à notre collègue psychiatre pour savoir ce qu'en pensent les psychiatres, et surtout les psychiatres français, avec la culture française de la psychiatrie. Et maintenant qu'on est en train de parler de psychiatrie et de modélisation et de réseau neuronal, où est-ce que ça t'amène tout ça? Alors, moi, ce que j'aimerais effectivement vous demander, donc te demander, c'est de savoir justement, par rapport aux troubles psychiatriques, finalement, que tu nous en dises plus concernant cette modélisation, en me confirmant, mais peut-être en infirmant aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, d'une forme de non-spécificité zone cérébrale, puisqu'on parle d'ailleurs de réseau, on parle d'interaction entre des zones, mais en tout cas de non-spécificité, de non-linéarité, ou je ne sais plus comment dire, mais en tout cas de lien direct, pas de lien direct entre une zone et une pathologie, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au gène. Alors, comment est-ce qu'on peut penser cette forme de modélisation-là, qui est sans doute utile, hein, mais j'aimerais aussi effectivement en savoir plus parce que tu parles de l'attention, ce qui est une dimension intéressante et qui est aussi donc d'ailleurs au carrefour de pas mal de pathologies. Juste peut-être avant de te laisser la parole, ce que je voudrais dire pour un peu enfoncer le clou par rapport à ce manque de spécificité, c'est que on a en psychiatrie beaucoup de troubles qui sont nommés en termes de diagnostic catégoriel, mais avec finalement des symptomatologies, avec des symptômes communs. D'ailleurs, si on parle de troubles bipolaires, je suis en train de penser que l'irritabilité, elle va se retrouver dans un épisode maniaque, mais aussi dans un épisode dépressif, par exemple. J'ai parlé des idées délirantes ou des hallucinations qu'on peut retrouver aussi dans la schizophrénie. Donc il y a cette forme-là de, je dirais encore une fois, de diversification et de non-spécificité, une difficulté à circonscrire finalement des pathologies comme étant spécifiques, isolées, donc qui font que ça ne doit pas être simple de modéliser. Mais là, je vais me taire pour te laisser la parole. Alors oui, effectivement, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident à faire. Effectivement, je pense qu'on peut. Le cerveau est incroyablement puissant de par le fait qu'il est capable de répondre de faire un nombre de tâches incroyablement complexes, un nombre de tâches incroyables. Il est capable de contrôler l'ensemble de notre corps, y compris des choses inconscientes, des capacités de réflexion, d'attention, de mémoire, des choses qui requiert d'avoir un réseau extrêmement dynamique et une interaction entre tous les neurones et les régions cérébrales qui est permanente. Bien sûr, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau,
les chercheurs ont essayé de faire, encore une fois, ce qu'on appelle des modèles, une représentation simplifiée, et de se rendre compte que, tiens, telle région du cerveau sert un peu plus à la parole, telle région sert un peu plus à contrôler les mouvements de la main droite. Mais en fait, si jamais on creuse un peu plus, on se rend compte que les frontières sont très floues. Dans ce cadre-là, le rôle du modélisateur, ça va être tout de même d'essayer de... On est obligé de... On ne peut pas modéliser l'ensemble du cerveau. On est obligé de se restreindre à une région ou un problème. On essaye toujours de... Par exemple, dans l'intention, ça fait intervenir plusieurs aires cérébrales. Ça, on le sait bien. On va représenter toutes ces aires qui sont majeures, on va dire, dans le phénomène. Dans d'autres cas, comme la mémoire, on va pouvoir peut-être se restreindre à d'autres régions. Il faut voir le cerveau peut-être comme une espèce d'énorme boîte à outils, avec des marteaux, des clous, des tournevis, etc. Et on peut faire tout un tas de choses avec. Et si jamais un jour, on se rend compte que on n'arrive plus à enfoncer des clous, eh ben, peut-être que le modélisateur va faire un modèle uniquement du marteau et pas des tournevis et de toutes les autres, tous les autres éléments qui peuvent être à l'intérieur. Malgré tout, ce même marteau, si ça se trouve, il pouvait servir aussi à, bah, je sais pas, mis en commun avec un burin, il pouvait servir à tailler des pierres ou à faire des tâches complètement différentes. Et un Amélie, aspect qui... Je voudrais revenir sur la question de Jean-Xavier, notre collègue psychiatre, concernant la plasticité du cerveau, ce que j'ai appelé tout à l'heure adaptation, et ce qu'à Bordeaux, par culture, ils appellent la désadaptation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un domaine que je connais très bien, la modélisation des réseaux neuronaux tels que vous le pratiquez est capable, sait faire à ce que le réseau s'adapte à une altération de son environnement? Oui, tout à fait. Oui, on peut faire des modèles qui incluent des phénomènes qu'on appelle de plasticité synaptique. Ça a été suffisamment décrit par des biologistes à l'échelle de neurones ou de paires de neurones. Comment est-ce que va évoluer la connexion entre eux selon leur activité? Ensuite, des mathématiciens un peu fous en ont fait des équations. Et maintenant, de nos jours, on met toutes ces équations dans un ordinateur pour essayer de prédire ce qui se passerait, non pas quand on n'a que deux neurones connectés ensemble, mais quand on en a un très très grand nombre, des milliers, des millions, et peut-être même un jour, même si on n'a pas encore tout à fait la capacité aujourd'hui, des milliards, comme c'est le cas dans notre cerveau humain. Merci Amélie. Moi, j'ai vu ça de très loin parce que j'ai expertisé des dossiers il y a quelques années. Et en 10 ans, le domaine, il a explosé. Je redonne la parole à Jean. Mais finalement, est-ce que la psychiatrie peut utiliser ça? Alors, écoute, je ne vais pas te répondre directement, mais je suis en train de penser aussi à quelque chose qui est un peu connexe, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. C'est la robotique développementale. Ce sont aussi des méthodes computationnelles. Et donc, c'est l'idée que pour finalement connaître l'humain, eh bien, on le fait interagir avec des robots qui vont se développer dans l'interaction avec l'humain. Voyez ? Alors, je ne sais pas, mais je suis peut-être complètement hors sujet là. Mais comme on parle de méthodes computationnelles, si on parle de robots, on n'est pas complètement à côté. Donc j'imagine. En tout cas, quand on utilise, parce que moi, effectivement, je travaille aussi là-dessus, sur la robotique développementale, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on veut connaître, par exemple, comment fonctionne donc un enfant ou donc un adolescent par rapport à certaines capacités qui sont simples, hein, des capacités d'imitation, des capacités d'imitation motrice, eh bien, on voit comment le robot va réagir, comment est-ce qu'il va se développer, comment est-ce qu'il va apprendre finalement des compétences, parce que le robot finalement n'est pas une machine à laver avec plein d'options, plein de programmes. Il a le minimum, il a des capteurs visuels, il a des neurones computationnels. Et dans l'interaction avec l'enfant, il va se développer, et sa façon de se développer, sa façon de s'ajuster, peut nous donner aussi quelques pistes concernant finalement le fonctionnement de l'enfant. Alors je ne sais pas si ça te parle, mais j'ai conscience que je suis un peu à côté de la plaque, hein, par rapport à ce qu'on est en train de présenter ce soir. Alors
je connais aussi rapidement ça, mais c'est un domaine très lointain pour moi. Donc là aussi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc je pense que j'ai un peu le même genre d'avis que toi sur la question. De la même manière que on peut apprendre des choses via des modèles informatiques, des modèles informatiques qui sont censés représenter le cerveau, on pourra peut-être un jour faire de meilleurs robots en s'inspirant du fonctionnement de notre cerveau pour avoir quelque chose de plus efficace. Je pense que les interactions sont dans les deux sens. La robotique peut apprendre des neurosciences et les neurosciences peuvent apprendre de la robotique, mais je suis pas du tout experte du sujet, donc je pense que je vais pas m'étendre beaucoup plus. Merci beaucoup, Amélie. Reste avec nous parce que peut-être qu'on aurait des questions dans la salle te concernant, sachant qu'on a dit qu'on finirait vers 10h. Donc je redonne la parole à la salle. Est-ce que vous avez des interrogations vis-à-vis de ça? Je sais qu'il y a des étudiants en psycho là avec nous, et ça doit quand même les interpeller tout ça. Là, une façon de leur balancer la patate chaude. Ouais, personne n'a tendu la main. La patate reste. C'est pas facile de prendre la parole en public. Non. On peut juste réévoquer une chose. Je me permets, moi, parce que ce que tu as évoqué tout à l'heure était effectivement important aussi pour un psychiatre quand tu as parlé de trouver un autre état d'équilibre, finalement. Et c'est vrai qu'on est en train d'aborder, finalement, là, une pathologie qui est assez particulière, parce qu'il y a des récurrences, et entre les épisodes, il y a finalement des périodes de rémission, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour d'autres pathologies. Et ce qui est sans doute intéressant, alors je ne sais pas ce que peut nous en dire Amélie aussi par rapport à cette question-là, mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir justement étudier ces transitions, parce qu'on sait bien que chez nos patients, il n'y a pas forcément de facteur déclenchant. Il n'y a pas forcément un facteur de stress qui va générer le nouvel épisode. Donc il se passe quelque chose à ce moment-là, bien évidemment, dans le cerveau. Alors parfois, c'est saisonnier. Parfois, ça arrive dans... C'est souvent donc, en hiver ou souvent au printemps. Bon. Mais est-ce que ce passage... justement, d'un état d'équilibre, peut-être à un autre, c'est ce que tu disais, et moi je l'entends comme ça, et c'est aussi ce que disait Freud, qui disait que parfois, par exemple, le délire, c'était s'offrir une néo-réalité quand on était déprimé. Bon. Donc c'est aussi une recherche d'un nouvel état d'équilibre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire du côté du chaos ou de ce que peut proposer Amélie, en termes de modélisation? Alors, moi je me permets, Amélie, c'est Vincent, je prends le... je réponds juste sur ce point-là. Dans le chaos, on parle d'attracteurs, en fait. C'est-à-dire que ce que vous pourriez appeler de nouveaux états d'équilibre, il y a des attracteurs. Donc, c'est-à-dire, l'état, le système va osciller entre deux états d'équilibre, d'une certaine manière. Là, par exemple, dans ce qu'ils ont trouvé, ils ne sont pas étalés dessus, mais ils ont trouvé ça il y a moins d'un mois, là, maintenant, un peu par hasard, on ne l'attendait plus tout à fait, on ne l'espérait plus tout à fait, mais ils ont vraiment trouvé cet état où le réseau de neurones, donc on a un peu complexifié par rapport à ce qui avait été fait au départ, il oscille entre ces deux états, c'est-à-dire un état plutôt que nous, on a appelé stable, c'est-à-dire plutôt... on va dire paisible, voilà, où les neurones s'activent gentiment en fonction de l'information. Enfin bon, ils sont une petite fraction des neurones s'activent. Et puis il y a un état où d'un seul coup il y a l'emballement et en fait on voit, il est tantôt dans l'état emballement et puis sans raison il va repasser à l'état tranquille, c'est-à-dire une activité sobre, voilà. Et puis sans raison il va repasser à l'état emballé et ça dans le temps en fait. Absolument sans raison. Donc il oscille entre ces deux états, Mais moi, je souhaite challenger mon ami psychiatre, que je sais de culture psychanalytique, parce que tu ne peux pas croire au hasard. Dans le sens où quelqu'un qui oscille d'un état à l'autre, pour la psychiatrie, il y a tout de même des éléments déclencheurs. Alors, je n'ose pas utiliser le gros mot d'inconscient et tout ça, mais tout de même, pour la psychiatrie, ça ne vient pas de nulle part, n'est-ce pas ? Mais moi, je crois plutôt, je dirais, donc à l'aléatoire, et je crois plutôt à cette épigenèse probabiliste dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que
je crois beaucoup à la question de l'expérience avec l'environnement, je crois beaucoup à la question de l'histoire de vie, mais je crois aussi à ce rez-de-chaussée, je dirais, qui est l'activité, qui est l'expression des gènes, à ce premier étage qui est l'expression neuronale, et donc avec le troisième et quatrième étage qui sont le comportement, l'expérience. Et je pense que c'est dans l'interaction de tout cela, je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas la mienne, hein, je ne fais que là, effectivement, l'illustrer là, mais cette relation de cause à effet n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas que de l'environnemental, et puis quand on dit environnemental, ça peut être des stress qui sont précoces, comme la pollution atmosphérique, comme la pollution de l'eau, comme des médicaments qui sont pris. Mais il y a des éléments environnementaux, et puis il y a d'autres éléments qui sont neuromodulaires, mais aussi génétiques, en lien, encore une fois, avec ce qui est présenté. Donc cette hypothèse probabiliste d'épigenèse, moi, c'est un peu là-dessus que je trouve qu'on peut essayer de chercher, entre guillemets, une forme de vérité. J'aurais vécu assez longtemps pour entendre les psychiatres parler comme ça. Je voudrais ajouter que si jamais on va à un niveau très très détaillé de la modélisation d'un neurone, du comportement d'un neurone, même là, un neurone n'est jamais complètement déterministe. On n'est jamais sûr à 100% de qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, il s'active et il veut transmettre une information à ses voisins. En fait, dans le neurone, il va y avoir une petite vésicule qui va se former avec des neurotransmetteurs à l'intérieur, par exemple de l'acétylcholine ou de la dopamine, qui doit après se déplacer dans le neurone, aller jusqu'au bord de la cellule, se libérer et peut-être être attrapé par les neurones voisins. Mais parfois, il va y avoir une vésicule avec trois molécules qui va se former, parfois avec quatre, parfois avec deux. Parfois, la vésicule va avoir du mal à se propager jusqu'au bout du neurone. Elle va être bloquée au milieu par d'autres éléments qui sont à l'intérieur. Donc, même quand on cherche à modéliser très précisément le neurone, on se rend compte que finalement, parfois, un neurone s'active et il y a en fait toujours une probabilité qu'il transmette l'information à ses voisins. Et quelque part, c'est ce que je disais, c'est jamais complètement déterministe, on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer. Eh bien, Amélie, juste pour me permettre 15 secondes d'interaction très, très spéciale dans le sens de spécialité entre collègues, à Bordeaux, où tu dois connaître quand même Daniel Choquet avec son unité CNRS, qui a pendant plus de 20 ans travaillé sur la probabilité de la transmission, de l'adressage des récepteurs et des systèmes justement de libération de neurotransmetteurs. Donc effectivement, c'est l'endroit à l'échelle internationale où on a manipulé ce type de conception. Et je me réjouis de voir ces différentes disciplines comme ça s'interconnecter. Alors, une dernière intervention de celui qui est à l'origine de tout ça, le prof de physique? Dernière intervention, là je sais pas, là pour l'instant je crois qu'on a dit beaucoup de choses, là j'ai rien qui est. Mais qu'est-ce que tu apportes? Alors je sais qu'ils sont là, mais finalement, à partir du moment où le projet a été initié et ce soir, comment tu as apprécié la trajectoire? C'est pas pour dire que c'était super et tout ça. Mais est-ce que vous êtes arrivé là où tu pensais que vous serez au début? Alors, c'est une bonne question. En fait, quand on s'est lancé dans le projet, effectivement, c'était ambitieux. Et le pari, c'était d'essayer de trouver cette phase chaotique. Alors, on savait qu'on partait avec on est parti avec quelque chose de très, très simple. Donc, un réseau qu'on appelle aléatoire parce que les connexions sont aléatoires, figées, tout ça. Et on savait qu'avec un truc très, très simple, il était... Peut-être qu'on n'aurait pas de chaos. Et en fait, on n'en a pas trouvé du temps où vous étiez là. Et cet été, donc, on a complexifié en faisant une topologie qu'on appelle Petit Monde, qui reflète un petit peu la topologie du réseau de neurones dans le cerveau. Vous savez, il y a des zones, en fait. On catégorise un petit peu le cerveau en zones. Et dans ces zones, les neurones sont très interconnectés avec les neurones voisins de la zone. Et puis, il y a des grands axones qui communiquent après interzone. C'est un peu moins connecté. Donc, c'est ce qu'on appelle une topologie petit monde. Donc là, c'est ça qu'ils ont mis en place cet été. Et on a commencé à le faire tourner.
ça sentait pas encore, on voyait pas encore du chaos, on le sentait pas trop, tout ça, et je commençais à se dire non non, le chaos il va pas venir en fait, il va pas venir comme ça quoi. Et donc finalement les élèves ont choisi de ils auraient pu continuer, les nouveaux là, ils auraient pu continuer dans cette direction là, mais ils ont dit nous ce qui nous intéresse plus c'est de partir vers l'intelligence artificielle. Donc ils ont plus développé ça. Et pour faire l'intelligence artificielle, il a fallu caractériser ce cerveau que vous avez pris en topologie petit monde. Et là, complètement. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup travaillé, là, notamment Armand et Noélie, là, pendant les vacances de février. Donc, à faire tourner. C'est des calculs qui durent. Un calcul peut durer 8 heures. Hein. Donc, elle avait amené l'ordinateur chez elle. Elle faisait ça. Alors, je remercie la famille qui est là. Pendant toutes les vacances, elle a fait tourner ça. Ça devait faire du bruit dans la cuisine. Et en fait, complètement de manière inattendue, en fait, il y a un endroit dans une combinaison de paramètres où ce qu'on n'attendait plus est apparu, c'est-à-dire vraiment cette transition en fait sans arrêt entre ces deux états, l'état hyperactif et puis l'état plutôt normal, et qui arrive voilà de manière vraiment avec une vraie phase chaotique en fait. Et donc voilà, c'est arrivé il y a quelques semaines. Donc c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on recherchait et que honnêtement, moi j'y croyais plus trop quoi. Et voilà, donc ça c'est super, même si c'était pas ce que vous cherchiez particulièrement, même si on ne sait pas, peut-être qu'on va tirer profit. On en discute beaucoup avec Franck, avec passion. Peut-être qu'on va tirer profit de cet état chaotique pour faire une intelligence artificielle. Alors peut-être qu'Amélie, tu pourrais en dire plus. Des intelligences artificielles, certaines intelligences artificielles utilisent un phénomène qu'on appelle de résonance chaotique. Alors c'est quelque chose qui semblerait aussi exister dans le cerveau humain. C'est-à-dire qu'en se plaçant dans un régime chaotique, donc un régime chaotique, c'est ce régime qui oscille entre deux états stables, ça crée un système qui est extrêmement sensible en fait aux stimuli extérieurs. Et alors, je ne sais pas s'il existe des IA qui aient utilisé à proprement parler la résonance chaotique, mais nous, c'est un peu le pari qu'on veut faire, c'est peut-être utiliser cette IA chaotique qui est très atypique, hein, ça ne ressemble pas du tout aux IA qu'on trouve habituellement, dans sa partie chaotique, pour voir si elle serait capable d'hyper-performance, c'est-à-dire détecter des choses dans des images là où des IA classiques sont incapables de le faire parce que le signal est trop faible. Alors, je ne sais pas si Amélie, la résonance chaotique, ça te parle ? Pas vraiment, mais il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans le principe, c'est que elles veulent classifier des données, prédire à quelle catégorie un événement va appartenir dans le futur. Et pour ça, ils ont besoin de prendre les informations qui sont là actuellement et de les disperser un maximum dans l'espace pour pouvoir plus facilement les distinguer les unes des autres. Et finalement, cette résonance chaotique, ça pourrait être un moyen de disperser un maximum même des choses qui à l'origine ont l'air très très similaires, de les éloigner un maximum les unes des autres pour qu'ensuite le reste de l'algorithme puisse clairement les distinguer et faire la différence par exemple entre une image de chat et une image du chien, d'un chien qui à la base se ressemble mais une fois mise dans ce réseau serait suffisamment distincte pour être différenciée. Merci Amélie. Pour le chercheur que je suis, ce qui était passionnant pour moi ce soir, parce que vous imaginez bien qu'on ne s'est pas rencontrés, on ne se connaît pas, c'est des mondes quand même extrêmement différents. Et ce qui est passionnant, c'est de me rendre compte que nos jeunes, parce que vous êtes nos jeunes, avec Guidé, ils ont vraiment fait une démarche scientifique. C'est une démarche, comme l'a dit Amélie, mais c'est une démarche scientifique dans la pure tradition de la recherche scientifique, à savoir partir d'une hypothèse de travail basée sur des connaissances actuelles. On émet une hypothèse. Cette hypothèse a été testée, c'est ce que tu as dit. Ben, l'hypothèse testée ne fonctionnait pas. On a gardé l'hypothèse, on a adapté l'outil. Après, on a manipulé un peu l'hypothèse, on est revenu sur l'outil, jusqu'à ce que faire, non pas coller les résultats à l'hypothèse, parce que ça, c'est des lentilles recherche, mais plutôt amener l'hypothèse un peu plus vers ce qu'on a observé et amener l'observation à modifier l'hypothèse. Et c'est exactement ce qu'on fait toute la journée, en permanence. Et
Quand j'étais jeune, un peu plus âgé que vous quand même, quand j'étais étudiant en thèse, mon directeur de thèse, au tout début, parce qu'il aimait beaucoup me challenger, il m'a dit, d'après toi, comment on peut définir un bon scientifique ? Et puis moi, je suis parti avec mes définitions de jeune, à savoir quelqu'un qui connaît bien, qui manipule bien, qui est intelligent, etc. Donc il m'a écouté patiemment, il m'a dit, c'est pas ça du tout. Ce qui fait un bon scientifique, c'est celui qui pose des bonnes questions. Et je pense que vous avez posé une excellente question. Voilà. S'il n'y a pas de questions urgentissimes, on va clôturer l'espoir. Alors, juste une dernière, parce que c'est un jeune. Merci beaucoup. Une dernière alors, qui va clôturer l'espoir. J'ai une question, c'est avec le boom en ce moment des IA, comme ChatGPT ou Dalil. Est-ce que donner l'accès d'une IA sur un système neuronal au public pourrait pas aider en fait à mieux comprendre le cerveau en pervertissant le modèle? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce que fait, d'après ce que j'ai compris, hein, ChatGPT, c'est uniquement une analyse des informations qui est disponible sur le web et en faire une synthèse. Alors, ça a l'air simple comme ça, c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce que tu proposes, je ne pense pas qu'on est aujourd'hui à une étape où on peut donner à une intelligence artificielle la liberté, parce que c'est un peu ce que tu dis, si j'ai bien compris, de proposer un modèle. C'est surtout ce que je voulais dire. Parce c'est qu'il proposer un modèle au public et que le public, on va dire, pervertit un peu le modèle et que le modèle s'adapte au public pour ainsi nous permettre peut-être de créer mieux un cerveau avec la pensée un peu universelle. Ben, je veux revenir sur le début et on va s'arrêter là-dessus, parce que j'avais promis d'arrêter à 10 heures. C'est que pour modéliser quelque chose, il faut l'avoir complètement compris et identifié. Il ne suffit pas de manipuler un modèle pour l'amener vers l'observation pour que le modèle soit bon. Il faut partir de ce que fait Amélie, il faut partir d'une excellente hypothèse, d'une très bonne connaissance du cerveau, et là-dessus construire le modèle et le challenger. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais remercier Amélie de Bordeaux de nous avoir accompagnés en vidéo. C'était vraiment très gentil de ta part. Je remercie mes collègues et je remercie surtout les jeunes sans qui on ne serait pas là, qui sont à l'origine de la soirée, et surtout, encore une fois, les féliciter pour leur prix. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. J'ai encore le micro. La semaine du 25 mars jusqu'au 1er avril, il y a le festival Voix publique autour de l'intelligence artificielle. Donc, il y a le programme là-haut, il y a quelques plaquettes, sont en ligne, vous retrouverez, avec des conférences sur l'IA. Et je sais qu'à Mendès France, donc, il y aura l'IA et la santé le 29 mars, ici même, à 18h30, avec des professeurs du CHU de Poitiers qui présenteront les utilisations de l'IA en santé. Bonne fin de soirée, à bientôt, au revoir.